Alors, nous allons vous présenter le rein. Il fait partie de l'appareil urinaire de l'homme, qui comprend deux reins, des uretères qui vont verser l'urine dans la vessie, et nous allons comprendre un peu son fonctionnement. Nous voyons déjà, avant de l'ouvrir, que ce rein est très richement irrigué. L'aorte fait une ramification, et ici, c'est une veine qui va rejoindre la veine cave. Ici, c'est l'uretère qui transporte le rein. Le rein est recouvert d'une grosse capsule et quand nous l'ouvrons, nous allons découvrir sa structure et parler un peu de son fonctionnement. En effet, le rein fabrique l'urine à partir du plasma sanguin et c'est à la fois un organe épurateur parce qu'il élimine des substances toxiques qui viennent de l'activité cellulaire, par exemple l'urée, et il élimine aussi de l'eau, des sels minéraux, suivant la quantité que l'alimentation nous font ingérer. Il régule la composition du plasma sanguin. Donc, il est à la fois épurateur et régulateur. Nous allons comprendre un peu son fonctionnement avec sa structure. Quand on l'ouvre, on voit donc le bassinet, cette espèce de grosse poche qui contient l'urine, nous allons l'enlever. Les vaisseaux sanguins sont très très nombreux dans le rein et nous découvrons une zone corticale, on pourra dire, formée de très nombreux petits corpuscules et une zone rayée par pyramide que nous appelons la zone médullaire. Au microscope, nous voyons que chaque rein possède à peu près 1 million de tubes urinifères où va se faire l'urine. Ces tubes urinifères sont très petits et ils sont dans la partie corticale. La partie rayée que l'on voit ici, ce sont des tubes collecteurs d'urine déjà formés qui se déversent dans le bassinet par ses pores, l'urine définitive. Parlons un tout petit peu de ces néphrons, les structures donc fonctionnelles du rein. Les corpuscules que vous voyez ici sont en fait des amas de capillaires entourés par la partie aveugle du tube et ici se font des filtrations déjà de sang dans le tube. Ce glomérule est complété par un petit tube en forme d'épingle à cheveux où se passent des phénomènes physiologiques de réabsorption de substances suivant ce que le rein va choisir pour garder au sang sa composition normale. Voilà,